Les employés de Carrefour ont donné samedi le coup d'envoi d'une journée sociale chargée. Un jour qui n'a pas été choisi au hasard, c'est celui où le supermarché fait probablement son plus gros chiffre d'affaires. Dès 3h du matin, ils ont bloqué l'accès principal, la source de leur ras-le-bol, la politique de management, la surcharge des marchandises, les menaces sur l'emploi avec l'informatisation. On écoute quelques-uns de ces salariés au micro de Baptiste Blic. Au niveau du personnel, oui, il y a plus de monde, il y a même les étudiants, une population qu'il ne faut pas oublier, car eux aussi subissent les conditions de travail. Mais par contre, au niveau de l'impact que ça a sur le magasin, certainement, parce que c'est le samedi qu'on fait quand même notre chiffre d'affaires. Justement, le samedi, c'est fait exprès, on a choisi cette journée-là bien précise. Ça marquera en termes de coûts au niveau du magasin. Et la direction, on verra bien que sans les salariés, le magasin ne vaut rien.